Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. En ce jeudi 26 mars, je vous souhaite la bienvenue pour notre petit billet quotidien autour de la parole. Nous sommes aussi là pour prier les uns pour les autres. Ne nous oublions pas, même si la communion fraternelle n'est pas possible de manière physique, elle peut être possible parce qu'il n'y a pas de frontière pour le Seigneur, il n'y a pas de limite de mur ou de distance qui nous empêcherait d'être en communion les uns avec les autres. Et je voulais avoir une pensée toute particulière aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui sont malades et pour ceux qui sont à l'hôpital. Nous prions pour eux, nous prions pour Marc, pour Arlette qui sont à l'hôpital, nous prions aussi pour Cathy, pour Eddie, pour tant d'autres qui ont besoin de notre intercession pour que le Seigneur vienne les relever, les toucher, leur faire du bien, enlever leur douleur. Et que l'ange de la mort s'éloigne dans le nom de Jésus. Et aussi, on a des amis dans le ministère qui sont atteints. J'ai des amis pasteurs qui sont aussi sur un lit de souffrance. Le chrétien n'est pas épargné par la maladie. Le chrétien n'est pas à l'abri d'une épidémie. Le chrétien veut juste se placer et nous le faisons ensemble. Aussi, au travers de ce petit billet, nous nous plaçons ensemble dans les mains du Père. Et je l'ai dit hier, il y a quelque chose qui est de l'ordre du décret. Ce que ma bouche dit, ça peut aussi s'accomplir, ça va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ce que tu crois dans ton cœur et c'est ce que tu proclames de ta bouche, écrit Paul dans la lettre aux Romains. Ce que je dis, c'est un décret qui est prononcé sur ma propre vie. Et on a vu hier dans le psaume 91 que le Seigneur, il donne des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Et c'est un décret qu'il fait. C'est un décret qui est donné pour que nous ayons cette assurance que le Seigneur voit, que le Seigneur sait, que l'Éternel qui a créé les cieux et la terre n'est pas indifférent à notre sort. Il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et il y a ce verset dans le psaume 103 qui dit l'Éternel, verset 19, le psaume 103, verset 19, dit l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Il y a les anges qui bougent quand l'Éternel leur dit de bouger. Et ils sont attirés par quoi? Vous savez, les mouches sont attirées par ce qui sent mauvais. Je ne vais pas en dire plus. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit dans la parole qu'un des titres que le diable porte, c'est le prince des mouches. Les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs. Les anges sont attirés par le parfum de l'adoration, de la prière et de l'intercession. Et si nous sommes en communion les uns avec les autres et nous prions les uns pour les autres, alors ça attire aussi les anges que le Père envoie parce que son cœur est touché. Quand ses enfants crient à lui, l'Éternel entend. Amen. Il va donner des ordres à ses anges. Et c'est un privilège pour nous de rechercher encore les décrets de l'Éternel pour nos propres vies. Verset 13 du psaume 91, il dit la chose suivante: Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. C'est un verset que Jésus cite dans l'évangile de Luc. Mais c'est aussi le seul verset dans tout ce psaume qui porte quelque chose qui est important. Tout le psaume, il parle de refuge, d'abri, de protection, de salut, sauf ce verset. Parce que c'est un verset offensif. Tu marcheras. Tu piétineras. En résumé, ce que nous dit ce verset, c'est que ceux qui sont protégés par l'Éternel, ceux qui savent qu'ils sont dans la main de leur Dieu, ils vont y aller. C'est ce à quoi nous sommes envoyés. Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et la maladie en fait partie. La pandémie qui sévit aujourd'hui dans le monde entier fait partie de ces ennemis de la vie.
faut y aller. Et il faut qu'on le fasse. Alors, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas dans les services de soins, et nous bénissons le Seigneur de nous donner des hommes et des femmes qui sont capables de soigner, qui prennent soin des autres. Mais nous sommes peut-être dans notre maison, dans notre appartement, dans notre chambre, comme une armée qui prie que ce qui sévit aujourd'hui recule. J'ai lu un article intéressant ce matin qui disait que on a fermé les églises alors que dans tous les temps de crise, les églises étaient ouvertes pour qu'on puisse, le peuple de Dieu puisse se rassembler pour aller prier, invoquer la miséricorde de Dieu, appeler la grâce de Dieu, décréter que les fléaux s'arrêtent. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire de manière concrète et physique. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont pas autorisés. Mais ça ne nous empêche pas d'être une armée qui prie. Ça ne nous empêche pas d'être unis les uns aux autres et de proclamer que Dieu peut arrêter, que Dieu veut encore aujourd'hui arrêter ce fléau et cette plaie. Pour nos amis juifs, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est le début d'une nouvelle saison, c'est le début d'une nouvelle, presque d'une nouvelle année, même si le nouvel an dans le calendrier juif c'est Rosh Hashanah et que c'est pas Rosh Hashanah, mais nous entrons aujourd'hui, le 26 mars, dans le mois de Nissan, c'est le mois de la Pâque. Et Dieu a décrété, il a dit à Moïse, pour qu'il le transmette au peuple d'Israël, il a dit: ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois. Ce mois-ci, on transforme le calendrier. Dieu change le calendrier. Ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois de l'année. Et aujourd'hui, c'est le premier jour du premier mois d'une nouvelle année. C'est le premier jour du premier mois d'une nouvelle saison. Aussi dans notre engagement dans la prière, aussi dans notre intercession. Nous ne sommes pas une église qui veut être, même si elle est physiquement absente dans le sens où on n'est pas dans des bâtiments, ce n'est pas une église qui se renferme sur elle-même. C'est une église, nous sommes l'église qui est formée de pierres vivantes, qui ose se lever, prier, intercéder, écraser la tête du lionceau et du serpent, et qui marche sur la vipère et le lion. Et ce psaume 91, il continue avec le verset 14, et je voulais le vous lire dans les deux versions. La première version, qui est dans nos Bibles, la Bible du Semeur, qui dit: puisqu'il est attaché à moi, c'est l'Éternel qui parle, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et moi, j'aime bien la vieille traduction de Darby, qui dit la chose suivante: parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai sur une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Est-ce que nous mettons notre affection sur notre Dieu? On peut se poser la question. Parce qu'il a mis son affection sur moi. Je l'aime parce qu'il m'a aimé en premier. Et papa, je veux te le dire encore, je t'aime parce qu'il a mis son affection sur moi. Je le protégerai, je le délivrerai, je le mettrai sur une haute retraite. Aujourd'hui, on est peut-être assis sur notre canapé ou couché dans notre lit ou debout dans notre bureau comme moi. Mais le Seigneur promet, il décrète qu'il va nous prendre et qu'il va nous placer en hauteur, là où on peut voir. Dans le Nouveau Testament, il y a ce verset qui dit, dans la lettre aux Éphésiens, où Paul il dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Et pour beaucoup de gens, c'est juste une référence théologique, c'est quelque chose qui peut être compris de manière allégorique, comme une image. On est assis déjà ensemble, ressuscité avec Christ, alors qu'on est encore ici sur la terre. Mais je crois qu'il y a une portée qui est beaucoup plus grande. Quand on est assis avec lui dans les lieux célestes, on voit les choses d'en haut. Non seulement il nous élève, il nous place sur une autre retraite pour qu'on soit protégé, mais il nous permet aussi de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se passe avec un autre regard, un autre œil. Alors faisons-le aujourd'hui. Parce qu'il a mis son affection sur moi, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai sur une autre retraite. Que le Seigneur aujourd'hui nous garde dans sa main et nous tire
vers lui, nous attire à lui encore. Et nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que tu étends ta main sur chacun de nous, sur cette église formée de pierres vivantes qui est rassemblée en ton nom, malgré les kilomètres, les distances et les confinements. Nous prions pour nos malades et nous prions pour ceux qui les soignent. Nous les remettons à ta grâce. Nous prions aussi pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Nous prions que tu arrêtes aussi cette plaie, ce fléau qui s'éloigne de notre nation et qui s'éloigne du monde entier, pour que les temps de rafraîchissement, ces nouvelles années, une nouvelle saison qui commence, que les temps de rafraîchissement puissent venir sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Paix sur chacun de vous et bénédiction. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau billet.